côté bande ko balanzi ya mikili ya poto ya République démocratique du Congo boali ko landa bisho belé na Leo Joleo News télévision bande ko ya Canada ya France ya Allemagne ya Belgique bande ko ya Australie ya Nouvelle-Zélande là où se trouve notre boss papa Odo Bulamba to pesibilo no so mbote awa to zali na commune ya Lingwala na kati ya palais du peuple lelo ezali le 15 mars ezali session ordinaire ya mois de mars et bandi lelo au niveau du Sénat ya ngoto kitaki na terrain dans le cadre ya émission na bino point de vue du peuple to ba commence que la session OESO débuté, tout le monde est à la tête avec lui-même le président Abba Tilukwebo, le nouveau président du bureau définitif à Sénat. Il y a une ouverture à Masolo. Après, il y a un point sur eux qui a débattu durant toute cette session au mois de mars. Alors, il y a un contrôle parlementaire qui a Masolo, et aussi un mandataire public qui a été interpellé à Sénat pour que la chambre haute, la chambre à Bassage. Et il y a un lope Bogolanda. Intervention, il y a sénateur Ogi Ilunga Sivuila, il y a Zali Eli, il y a province, il y a Kasai Oriental, on a base de fief électoral, il y a équipé qui a assisté à l'ouverture, il y a session en mois de mars. Il n'a pas expliqué, mais il y a un sénateur dans la chambre et le Sénat. Il y a vraiment un sénateur qui a la confiance dans le nouveau bureau où il y a un sénateur Bahati Lukwebo. Et aussi, il y a une réalité qui a coûté un niveau à Kasai Oriental parce que le lot au Balobi, Mokonzamboka, Azali ressortissant à Kasai. Ba konze belé lelo na niveau national, na niveau à Kinshasa, bazali ya kuna. Mais na Kasai, nzela ya malonge zate, na Kasai, ba boulangerie zate lipa oyo baliera na Kasai et outa ralibanda ba yote grand na chikapa. Donc, on saute aux huit Kasai en général, ça ne marche pas. Il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas de bonnes routes. Insécurité, peu comme kota na Kasai. Et c'est pour cela, honorable sénateur, Ogi Ilunga Sivuila, expliquer biso ba réalité ni soit coûter na ngona niveau à terrain faire expliquer biso ba point oyo kozala débati na session oyo ya mois de mars to landaye comme ça nous allons revenir mbote mingi ouais ponga na koma ki na mois retard muke mais ce qui na kangi pe na makambo ya lobby ala kisi ke sénateur azali garant ya ba intérêt ya province na et bien qu'azali eli na niveau national ba benga ke sénateur de la république mais azali garant il y a ba garantie et il y a ba intérêt il y a province nae donc yende molobeli yende muto soulevaka yé muto traitaka ba question ezali particulière eza sensible il y a province nae na niveau national ponenga na zalia wa batumsu bazala so ba moninga na zolo bela province bazo tuna meya zanani po lo bela province po ba député provincial bazawa na mais nga na za émanation ya assemblée provinciale nga moko na za équipe député provincial donc nenga na zali boye likambu nyonso ezali kotala Kasai Oriental nga na kolata yango penda na nzoto nenga na lati kazaka oyo longa na uti kuna na uti kuna na ya kilobi na poko na sali kuna une semaine eza mawa mingi ce que zaki teke pona rentrer ya lelo nga ina yate eza mawa mingi eloko moko ezo sala makuna te okansa ke mbongo même ata ya 1 million ya franc ou bien valeur ya $500 ekotaka na mbujima ite eza somo eza somo mingi mais nazo senga kaka ba ancien collègue na ba député provinciaux bazwa responsabilité na bango bazwa responsabilité na bango po population bisika nyonso na kendaki bazako lela kaka ke bolongolela biso gouverneur oyo azo kokate na ba ministre provinciaux na ye ngai na uti kuna eloko moko esalami ezate eloko moko ezate donc eza mawa mingi. Tout d'abord, kaka résidence officielle ya gouverneur de province, matiti ezali wana molayi na yo. Ba msusu eza ndenge na ye toyebite. Donc, eza mawa mingi. Eza mawa mingi. Kaka pa na ye moko na résidence na yo ya ye privé, azo vanda. Mai ekotaka na nzela soki mai ekotaka. Etali ekutu te mabulu. Inyo sacré ezali purgatoire te. Eza purgatoire te soki mutu aza na masumu na ye, aye nango po aya kupirje yango na na kati ya inyo sacré. Inyo sacré ezali wana nde po na instauration et vision ya président de la République ya instauration ya un état de droit. Instauration ya état de droit ezali nini ezali respect ya ba texte na kosala musala. Voilà. Le bureau ekoti sika tozo sentir ango ke eza bureau kosala musala ba ko bloquer lisusu ba outil na biso ya travail o ezalaka neti question écrite, question orale avec débat, interpellation ba ko bloquer yango lisusu te. Parce que deuxième vice-président, honorable collègue Nabiso Sangoma, a rassuré qu'il y a eu battre campagne, que
en tout cas. Pourquoi est-ce que vous parlez de la contrôle parlementaire? A ko libérer ba arrière nyonso, oyez bazaki ko bloquer na bureau ya ya oyele kaki. Et puis netinga l'air na ye ao. Ministre ya sika ya intérieur ko kota a pika pende. Naza ko loba déjà libéla. VP ministre ya intérieur oyazo ya ya sika. Na lobi ke azala mobali po biloko yo na bombeli ye. Biloko na bongiseli ye. Azala makasi na likambotali sécurité ya mboka ministre wana il faut bongamba ayeba ke honorable sénateur pour intérêt ya république na kasai place ba ponaki ye alia azala makasi oya zokende soka ke ino kitekaka mikolomi bale boko mona ya aroya soka ke ipe continuité ya ba affaire de l'état oya sika koya ko répondre na place na ye en dehors ya wana ministre ya ya VPM hésite père aza la penza na solo bakaka ke oya zoya ya sika ayeba ke donc loko ya liboso ya kozwa ya sena ezande ya ngai te eza takte il faut corriger ezali exercice rectifié exercice démocratique ozomo neza je moko démocratique biso ba pesa biso na prérogative na biso pouvoir ya ko interpeller bango alors makambu to moni makambu belezo simba te oya zoya na bombeli ba question ya ko lakisa biso ya nini ango ya ko sala. Le roi va nommer ministre ya intérieur et cause à la somme. En auditionnant quoi, le discours d'ouverture de la session de mars 2021, le président, le nouveau président, le professeur Bahati, a insisté que le sénateur est le garant des intérêts de sa province. Donc il est là pour soulever et traiter les problèmes particuliers de sa province. Donc si nous sommes ici au niveau national, c'est pour les intérêts. Donc nous défendons les intérêts de nos provinces. D'ailleurs, je viens d'arriver, j'étais dans mon fief électoral qui est le Kasaï Oriental à Mbujimayi. Donc, ce que j'ai trouvé là-bas, c'est déplorable, c'est déplorable. Alors, mon travail, c'est de contrôler. Donc, je vais initier beaucoup de questions orales avec débat et des interpellations envers le membre du gouvernement. Donc, ce que j'ai trouvé au Kasaï, c'est inacceptable. Qui vous a dit que le gouverneur du Kasaï Oriental, lui, il est là seulement pour inaugurer les œuvres de partenaires. Il n'a rien fait jusqu'à présent. Moi, je ne vois pas ce qu'il a fait. Donc, la population est en train de pleurnicher. Et, en tout cas, je demande à tous les députés provinciaux de prendre leurs responsabilités. De faire partir ce monsieur. Donc, il n'est pas à la hauteur. Vous voyez, il n'est pas à la hauteur de diriger cette province. Mais l'Union sacrée n'est pas un purgatoire, je vous ai toujours dit, où quelqu'un peut toujours venir pour purger ses péchés, non? Donc, si vous ne travaillez pas, vous n'êtes pas à la hauteur, vous n'êtes pas dans la vision du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, mais comme la province jouit d'une autonomie et ils ont leur personnalité juridique, donc ceux qui ont le pouvoir de le faire partir, ce sont les députés provinciaux. C'est pourquoi j'encourage les députés provinciaux d'initier quand même des actions contre l'exécutif provincial du Kasaï Oriental et son gouvernement. Non, pour l'instant, nous allons observer, hein, parce que nous venons d'acquérir un nouveau bureau. Apparemment, les premières impressions, je vois qu'il y a du sérieux. On nous a demandé d'être là à 11h et moi, je suis arrivé à 11h30. J'ai trouvé que la plénière avait déjà commencé depuis 11h. Donc, ce sont les premières impressions, hein, qui qualifient chacun de nous. Donc, observons d'abord. Voyons voir ce qui va arriver. C'est moi qui vous remercie.
voilà, on a tout ce qu'on a tout ce qu'on a spécial point de vue du peuple Mokonalelo ensemble avec le sénateur Ogi Ilunga Simvula Oyazali Eli, la province de Kasai Oriental. A Betele Biso Masolo, il y a plénière Mobimba Ndenge Salami, expliquer biso aussi confiance. Oyo, ba sénateur, ba aliko pesa na bio, oyo ezali ko kamba manandeko. Bati Lukwebo et aussi a FC biso session oyo ya mois de mars ba ko se focaliser plus na ba contrôle parlementaire, ba ministre ba ko tambola awa na Sénat, ba mandataire public ba ko yape a ko s'expliquer par rapport à ba gestion na bango, surtout à lobby VPM oyo ya intérieur ou à kobima na gouvernement sans malukonde à PKPD parce que aye na ba dossier et belé à outi na on a Kasai et aussi à marteler banzela à niveau à Kasai et zate à ko interpeller pe ministre ou à l'aller chargé y a infrastructure au niveau national yepe à roleka à la Sénat pour à s'expliquer comment kaka Kinshasa ne bali ko tonga banzela maintenant intérieur na ba province banzela zate surtout na Kasai bande ko na biso à Kasai bali ko vivre vraiment na ba difficulté et belé alors a saigné aussi na gouvernement central bata la ka ya bande kolambisu ya Kasai mai ezalité courant ezalité banzela ezalité même résidence ya yemoko gouverneur ya Kasai oriental matiti e boti ko le quand même la ya bande kolambina za libosu ya caméra donc bande ko ya Kasai et surtout le gouverneur Maoé Jappé bali ko interpeller yo na gestion na yo ali ko tambola mingi malamuté o meka un peu ko bongisa soki o bongisité y aura des mentions oyo même yemoko le sénateur Sivula a ko influencé par les députés provinciaux pour balongolo na kitabo kontina yo ezala ki spécial point de vue du peuple ya Mokonalelo. Merci na bande ko tout balandi biso ya Porto, ya Allemagne, ya France, ya Belgique. Na pesi surtout merci beaucoup na Dodo Moussaou, à Moïmbo kala réussite moto ali ko pela zalaki ensemble na biso pour la réalisation de cette émission. Merci na équipe Mobimba Leo Njoleo na kata Kinshasa et aussi notre boss papa Odo Boulamba depuis la Nouvelle-Zélande. Te pesi pe merci pour la confiance, pour la soutien na yo et devant la caméra, c'était Fiston Yankole, le Jésus de la presse. Tukutani, mbalasima.